7h23 minutes, le sport spécial Cannes. Les choses se précisent. Mahamat Djebbour, bonjour. Bonjour. Et belle qualification pour revenir au match, aux affiches d'hier de l'Afrique du Sud. Eh bien, les Bafana Bafana, rappelez-vous cette équipe sud-africaine qui est montée en puissance après avoir été battue lors du premier match par le Mali 2-0. L'équipe sud-africaine, emmenée par un vainqueur d'une Coupe d'Afrique des Nations, Brousse, le Belge qui a entraîné la JS Kabylie, qui a entraîné le NED et qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, avec les Lions Indomptables, qui a une grande expérience de la compétition. Eh bien hier, les Sud-Africains se sont imposés 2-0 face au Maroc. Deux beaux buts. Tout d'abord, le but d'Evindense Makgoba à la 57e minute de jeu. Une équipe sud-africaine qui est restée bien en place avec un schéma de jeu ou un plan de jeu respecté, beaucoup de rigueur, les transitions. Elles ont fait très mal à cette équipe marocaine et on a vu ce superbe but qui est arrivé à la 57e minute de jeu. Les Sud-Africains ont laissé venir leur adversaire. Il y a eu également ce penalty raté, tiré par Hakimi. Puis le deuxième but, quel superbe but, quel coup franc qui se loge au fond des filets. Les Bafana Bafana sont en quart de finale et le Maroc sort de la compétition dès les huitièmes de finale. Eux qui avaient l'ambition d'aller chercher la Coupe d'Afrique. Comme quoi, il ne faut pas être prétentieux, il ne faut pas se déclarer et dire « Non, je vais aller chercher la Coupe d'Afrique, je vais la gagner », en pensant que ça ne va être qu'une formalité, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, il faut respecter les adversaires. Et hier, on a vu une belle équipe, des Bafana Bafana, qui s'imposent. Je rappelle que l'Afrique du Sud a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations pour sa première participation. C'était en 1996, tout juste après la chute de l'apartheid. Et ils avaient battu la Tunisie sur le score de 2-0. L'année suivante, au Burkina Faso, ils avaient été finalistes. Et cette fois-ci, eh bien, la voie reste ouverte. Je rappelle, c'est une Coupe d'Afrique des Nations où on peut avoir un vainqueur qu'on n'attendait pas. Alors, les Maliens, toujours sur les places d'honneur, mais jamais placé sur le podium. Eh bien, cette équipe malienne hier a battu le Burkina Faso. 2-0. Une équipe du Burkina Faso qui s'est faite cueillir à chaque fois, dès l'entame du match. Une équipe du Burkina Faso qui encaisse à la 3e minute de jeu. Tenez-vous bien, c'est Tapsoba qui marque contre son camp, un CSC. On pensait qu'en deuxième mi-temps, les Sud-Africains allaient Burkinabés allaient revenir. Et voilà, deuxième but pour les Burkinabés. Et finalement, ils arrivent à réduire la marque, à marquer un but. Mais ce but sera insuffisant pour pouvoir aller sur une prolongation. Et une belle victoire. Et l'aventure s'arrête pour les huitièmes de finale. Ce qui est intéressant concernant le Burkina Faso, c'était la déclaration de Velud avant le début de la compétition. Parce que je rappelle que le Burkina Faso était dans le groupe de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il disait? La dernière édition, le Burkina termine à la 4e place. Il y avait un local comme entraîneur. Il arrive. Et l'objectif, c'est de faire mieux que l'entraîneur précédent. Quand vous dites « mieux », ça veut dire que vous allez terminer sur le podium. Eh bien là, il quitte en huitième de finale, ce qui veut dire en d'autres termes que la mission de Velut se termine dès cette élimination. On va écouter l'entraîneur malien, Eric Schell, sur cette qualification. Je voudrais remercier mes joueurs. C'est eux qui le méritent, c'est eux qui font le boulot sur le terrain. Voilà, nous, le staff technique, je suis très content pour mon staff technique, mon staff médical. Voilà, on travaille tous ensemble. Je suis fier de mes joueurs ce soir, je suis très content pour le Mali. Voilà, donc aujourd'hui, c'est bien, on a passé un tour. Je félicite le Burkina aussi. Puis on a passé un tour maintenant, et il y a un quart de finale à jouer. Et puis, on va vite se reconcentrer sur ce match qui arrive. Ah oui, le Mali va affronter la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui est passé par un trou de souris, la Côte d'Ivoire. Et qui aujourd'hui se positionne comme une équipe capable d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur son adversaire, le futur adversaire, on écoute l'entraîneur malien de la Côte d'Ivoire. On le retrouvera tout à l'heure? Non. Bon, on va rappeler les affiches. On va rappeler les affiches, comme ça on va faire tout simple. Donc à partir de vendredi, il y aura Nigeria, Angola, les Super Eagles dans la peau de favoris. La Guinée, le Sidi National face à la République démocratique du Congo. Ça c'est pour le vendredi de février. Le samedi, Côte d'Ivoire, Mali et Cap-Vert, Afrique du Sud. Là, voilà. On va monter d'un cran côté pression pour les équipes qui sont engagées en quart de finale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On va revenir à l'actualité nationale. L'actualité nationale, c'est le Chebeb Riazi de Belouizdad qui s'impose hier 2-0 devant le MCO.
une équipe du CRB bien en place, le MCO qui joue tout simplement le maintien. Aujourd'hui, il y aura l'USMA d'Alger qui est sur une superbe série, l'USMA d'Alger qui est remonté au classement, qui se retrouve sur le podium et qui va affronter le CS Constantine. Et puis comme vous aimez la Première Ligue, on a joué hier pour le compte de la Première Ligue, je retiendrai la victoire d'Arsenal qui met la pression sur Liverpool, l'Arsenal qui s'est imposé à Nottingham, 2-1, à retenir également la victoire de Luton face à Brighton, 4-0. Newcastle, après 4 matchs sans victoire, s'impose devant Aston Villa sur le score de 3-1 en déplacement. Très important cette victoire en déplacement. Aujourd'hui, ne ratez pas, si vous aimez le foot, ne ratez pas ce match en soirée entre Liverpool et Chelsea. Il y aura Manchester City, Burnley et Tottenham, Brentford. La Liga, on jouera, Barcelone sera opposé à Osasuna et l'Atlético Madrid affrontera le Rayo Vallecano. Vous avez tout le programme régal, en matière ce soir. Mais vous allez vous régaler. Pas besoin d'aimer le foot. Merci, Mamar Djabour.